You've just put in the fastest lap. Good job. Fantastic. That was the fastest lap. Du coup, t'as numéro 1 ou pas? De quoi? T'as numéro 1 ou pas? Non, non, j'ai mis le numéro 1 de base. Le 71, mon gars. Ah. Représente. Okay. Pas un tour exceptionnel encore une fois. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. Non, mais sérieusement? Nice and warm by the end of the lap. Sérieusement? Quoi? Mec? Mais je suis une bite? T'as pas été disqualifié? Non, mais je spin dans le tour d'invasion. Oh non. C'est quoi ce bordel? Je spin en toute formation, mais c'est... Non mais mec, y a un problème, genre ça va pas du tout, y a un problème. Pourquoi je spin en tour de qualification, en tour de chauffe? Mais c'est n'importe quoi. Bah là, il peut le savoir. Frère. Quoi? Wow, je passe à travers tout le monde du coup. Pour prendre la... Bon, mec. Thank you.
ça. Je glisse trop, j'ai un problème. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Allô? Allô? T'es où là? Bah, je rejoins la ligne, enfin, je reviens dans la session parce que dès que t'as quitté, bah, ça m'a fait quitter également. Je suis combien là actuellement? Je sais pas si je suis dans top 5, j'espère. T'es premier. Quoi encore? Comment ça se fait? Parce que je crois qu'on s'est bataillé en fait avec Olive, avec les bots d'Olive et moi. Et ça, je sais pas, ton bot a pris, a gagné du temps. Et J4, il est où? Derrière moi, 5ème. Qu'il a fait encore? Confirmed. C'est pas, j'ai pas eu le temps de voir le départ parce que j'ai crashé, du coup j'ai dû quitter. Ah, moi aussi. Ah, je suis premier en plus, c'est pas une blague. Je suis de retour, c'est bon. Oh, j'ai beaucoup d'avance déjà quand même. 3 secondes de pénalité? Quoi? Toi, t'as 3 secondes de pénalité? Bah là, je viens de voir de marquer 3 secondes de pénalité, alors tu m'as répété. Ma gueule! Attends, directeur de course! Accident! Non, j'ai rien! Lou, t'as une sortie de route et tout! Moi, j'ai rien! Ça doit être un bug! Et t'as fait quoi pour être 5ème? Bah, j'ai déjà mon bot a fait de la merde et tout! J'ai ma voiture qui glisse à mort! Vraiment! Elle glisse tout le temps! Ah. Olive qui perd beaucoup de position, et je crois qu'Olive il est en galère. Oh King! King! Qu'est-ce qui s'est passé? King! Green flag. Bon, on est parti pour remonter, écoute. Ah, t'es au stand? Yes. Putain, quel con. Putain, je suis un con. Go, go, go. Pourquoi je spin? You spin me around, right. Down. Non, je me suis foutu de ta gueule hier, ça. J'avoue que... We'll be doing one more stop today. One stop left in our strategy. Jack, il a 13 secondes de pénalité. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je suis en train de les rattraper déjà. Bah oui, ils sont lents en fait, très lents. Ah, Olive, là, je lui ai pris 2 secondes en 3 virages. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, Olive, il galère, mais après les autres, je sais pas. C'est peut-être son bot, hein. Peut-être son bot, peut-être pas lui aussi. Oh bah c'est bon. Okay, good work, great pass.
VSC deployed. The virtual safety car has been deployed. We need to keep a positive delta here. Slow down, maintain a positive delta. Il s'est passé quoi là? Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Oh, c'est pas ma saison, les gars. C'est clairement pas ma saison. Et du coup, il a abandonné King Kratos. Incroyable, ça. Complete, go now. Oh lui, ça va être serré. Jack, ça va le faire. Oh lui, ça va être chaud de night. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Si on avait trop sa foi un truc comme ça. Ah ouais d'accord, ok. Allez, final lap. There's only one lap of fuel remaining. Bien joué, J4. Gagnant du Grand Prix de Bahreïn pour la deuxième saison. Et je crois que ça sent bon, les gars. Je crois qu'on va être deuxième sur Matt. Normalement, on est deuxième. Ouais, je viens de finir. Et je... Quoi je... What? Hein? Ah non, what? What? What the fuck? Attends, mais je suis pas devant... What? Attends, je suis pas devant... Comment ça, je suis pas devant Olive ?
Oh là là. C'est mon jeu, donc on se parlera ça après une fois que tout le monde sera là. Ah ouais. Oui, avec Ben Mortel en Espagne, oui. J'avoue que... J'ai vu, ouais, j'ai vu, t'as dû galérer au début, et après au final t'as fait une remontada. C'est n'importe quoi. Non mais c'est... Bah oui, bah écoute, hein. Non mais... Ça me fait notre cher Gravity, qui est notre consultant sur le début de cette série sur F1 2020. Donc, grâce à quelqu'un du tableau, il a pu voir quelques grands moments du Grand Prix et voir analyser la course. Donc, on va l'écouter. Gravity, je t'en prie. Bah, bonsoir à tous, mes chers téléspectateurs. J'ai pu assister à ce Grand Prix de Bahreïn, un Grand Prix assez tumultueux quand même, au vu des méfaits qui ont été faits donc dans la course. Donc pour rappel, je vais bien rappeler du coup les trois premiers. Donc on aura du coup J4 en pole bien sûr, en pole je pense en qualification si je me souviens bien. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mon cher Gravity. En pole position, c'était King Kratos et J4 était deuxième. Ah voilà, J4 était deuxième. Du coup, il y a eu quand même une certaine amélioration de la part de J4, mais du coup, dans la course, J4 a fini premier avec en deuxième du coup Lou et en troisième Matt Jamal, d'après ce que j'ai vu. Oui, c'est oui, ça. Effectivement, Matt Jamal. Et quatrième Olive du coup, qui est donc de top 4, qui bah du coup est très intéressant parce que on a justement j'aurais pas mis Olive aussi haut, mais Olive a fait une très très bonne performance pendant cette course. Par rapport au meilleur temps, on voit que Lou est quand même vachement plus rapide que J4, donc il y a dû avoir des faits de course qui ont fait que Lou était deuxième, parce que on voit bien que le tour est beaucoup plus rapide du côté de chez Lou par rapport à J4. Du coup, J4 a su rester en première position, même en ayant un meilleur tour plus lent. Après, on a du coup en cinquième position Ben Mortel avec les McLaren, donc Sainz en sixième position. En septième position, on a Ipman et en huitième position, Minato Martins, du coup, qui a une très très bonne position pour AlphaTauri. Si je peux me permettre, les deux marquent leur premier point. Hein. Les Ipman et Minato marquent leur premier point. Donc, voilà. Ah bah, c'est très très bien. Je suis très très heureux d'entendre ça, puisque vu que j'ai pu remarquer la performance de Minato plus personnellement, j'étais surpris de son élan et de sa stratégie qui a bien fonctionné pour ce Grand Prix. Tout à fait. Je l'ai rencontré durant la course, mais en tout cas, je l'ai même fait une petite touchette, mais bon, moi, je lui en veux pas. Hein. Il a juste fait son freinage, mais il n'y a pas eu d'accident, de drame sur ça. Mais voilà, très belle course de Minato, que je pensais qu'il était beaucoup plus loin que ça, mais pas du tout. Minato qui marque ses premiers points chez AlphaTauri en 8e position. Donc, c'est une très belle place pour ce deuxième GP de la saison. Après, nous avons du coup en 9e et en 10e position les Williams, du coup, qui marquent des points honorables. Tout à fait. Donc 9e et 10e position. Puis nous avons Jack, du coup, qui a eu un malencontreux, hein, pendant cette course. Jack n'a pas été si performant que ça, même si je pense qu'il pouvait très facilement se placer en top 5. Ah, il est clair. Après, voilà, DBZ Zenox qui est en 12e position. Comme je le dis, parler des As, parce qu'il y a un débat en fait qui s'est créé dans ma tête au niveau des As. Tout à fait. En fait, les As, je trouve que malheureusement les As n'ont pas la place dans ce top 15. Voilà, ils devraient être un peu plus loin, parce que malheureusement je trouve que la conduite de Gotan Vision et de DBZ Zenox est très limite.
Malheureusement, beaucoup de contacts très sauvages, coups de roue au niveau du ponton. Bah, si je peux me permettre, Gotham, qui a du coup gêné la fin de course de Matt Jamal, qui du coup a perdu du temps sur moi, du coup j'ai pu récupérer la deuxième position. Et comme j'ai vu juste après la course, j'ai été voir des messages de certaines personnes qui s'appellent du coup Dark Tog Life, qui disaient du coup qu'il a malheureusement abandonné la course parce que apparemment Gotham, depuis le début de la course, apparemment lui met des coups de roue, fait des dépassements assez osé. Osé, tout à fait. Et bon, il y a Vince qui est dans le coup, mais Vince, voilà, il était moins important, entre guillemets, il n'a pas non plus forcé non plus. C'était plus Gotham qui a causé l'abandon de Dark Tog Life. Et voilà. Et c'est ça, c'est malheureux hein, pour Dark Tog Life, parce que j'ai vu effectivement. Il faisait une bonne course, c'est déjà qu'il démarrait dans le top 7, je crois. Il démarrait dans le top 7, hein, donc belle qualif pour lui. Hein, donc, ouais. En 13e position, bah, du coup, Perez. Puis Zintos, malheureusement, je pense qu'il a du coup a été disqualifié, je pense. Ah, Zintos, c'était pas là de base. Il était pas là de base, Zintos. Il était pas là. Le pilote n'était pas là. Et voilà quoi, nous avons Stroll, Vince du 68. Je n'ai pas très bien compris ce que notre cher Vince du 68 a fait pendant cette course. C'était malheureux, hein, malheureux. Je pense que Vince a un niveau, un très très bon niveau. Je pense qu'il a le même niveau que Olive. Donc honnêtement, ça m'étonne qu'il soit aussi bas dans le classement. Mais comme on dit en F1, tout est possible. Si je peux me permettre, il débute le jeu. Ah, il débute le jeu. Il débute le jeu. Ok. Le jeu, donc, il est pas. Ah oui, ok. Il est pas. Alors, il est pas mauvais, mais bon, il est pas au niveau de Olive, hein, très clairement. Ok, ok. Il est comme un tout petit peu en dessous. Du coup, Olive, on pourrait le considérer comme un mentor pour Vince du 68. Après, Vince, okay, je sais qu'il est capable de mieux. Vince, pour moi, je le classerais dans le top 12, tout, top 13. Voilà, il est capable de faire top 12, top 13. Voilà. Après voilà, après on a Vicafond, hein, bien sûr, Vicafond deuxième. Il n'y a pas de hiérarchie, hein, bien sûr, dans ce championnat, ce n'est pas non plus un championnat réaliste non plus. Tout à fait. Donc je ne vais pas dire que du coup Vicafond est un deuxième pilote, mais il a fait une course honorable. J'ai pu suivre un peu son tracé, ses temps. Il a fait une course honorable, malheureusement un peu agressif des fois sur l'arrière, donc sur la boîte de vitesse de ses compères. J'ai entendu dire dans les paddocks à la fin de course qu'effectivement son ingé course l'avait déjà prévenu sur ce méfait, donc je pense qu'il a retenu la leçon et qu'il s'améliorera du coup. Ouais, et surtout qu'il a un bon coéquipier pour l'accompagner. Tout à fait, mais il y a toujours l'expérience. Vicafond en a un peu moins, mais je sais que les AlphaTauri peuvent faire des belles performances cette saison. Tout à fait. Le championnat constructeur, du coup. Constructeur, ah, le championnat constructeur, oui, le championnat constructeur. Nous avons du coup Scuderia Ferrari qui prend la tête pour ce deuxième Grand Prix. Pas très loin, suivi de notre chère écurie Aston Martin Red Bull Racing avec les deux pilotes King Kratos et Lou qui sont à seulement 3 points de différence de Ferrari. Donc ça va être une bataille. Intéressante. Rocambolesque, comme on pourrait dire. Pour ce qui est de la troisième position, nous avons du coup Alfa Romeo Racing Orlen, du coup avec ses deux pilotes, Olive du 68 et Vince, qui sont à 24 points en égalisation totale avec McLaren, qui fait des bons points et qui sont assez réguliers pour l'instant, McLaren. Pour ce qui est du coup de Mercedes qui est en cinquième position, bah, comment dire, je ne vais pas dire que c'est un mauvais départ. En soi, oui, c'est un mauvais départ pour Mercedes, donc qui a quand même des pilotes, des pilotes du coup intéressants, parce que Jack et Matt Jamal sont effectivement des pilotes très intéressants. Donc je pense qu'effectivement, ils vont très vite monter au classement. Je ne pense pas qu'ils vont rester en cinquième position. Il va très vite. Et il va très vite monter, pardon. Jack, est-ce que Matt Jamal a quitté? Matt Jamal est parti. Si j'ai bien compris, ouais, Jack a dit que Matt Jamal, je sais pas, a quitté. Ok, ça va, pas de problème. Bah, du coup, Jack, va essayer de porter Mercedes plus haut. Avec un peu de chance, tu iras chez Mercedes, hein. Pourquoi pas? Et pourquoi pas ce serait intéressant, d'être un coéquipier, d'avoir un coéquipier comme Jack, qui a pas du tout le style de conduite que je suis.
Mais du coup, on va passer du coup à la sixième, bah, du coup, à chez Renault. Bah, Renault, bon début, hein, j'ai pas grand-chose à dire. Oui. Xinto et Dartoglave qui se débrouillent comme ils peuvent. C'est une très bonne début de saison. Racing Point en septième position avec du coup Sergio Perez et Lance Stroll qui font aussi un très bon début. Et on peut remarquer quelque chose qui est assez intéressant, c'est que dans aucune équipe n'a zéro point. J'ai remarqué mon C'est quelque cher chose de Fabrice. très intéressant, ça veut dire qu'on est sur un championnat dynamique, du coup avec avec des grosses disputes, parce qu'effectivement on voit qu'il n'y a aucune écurie qui a zéro point, et ça c'est très intéressant, on ne voit pas souvent C'est ouais, c'est ce clair. phénomène en F1. Ce sera du coup le classement pilote, le classement pilote du coup qui est un peu plus, quand même différent du coup. Nous avons du coup J4 qui est du coup en première position hein, en classement pilote, si vous voulez bien le confirmer, mon cher Lou. Oui, je le confirme, 43 points devant Ok, avec King Kratos. 43 points. Et ben du coup, oui, effectivement, King Kratos, le pilote américain Tout à fait. qui est du coup chez Red Bull Racing, est à 26 points. Bah, avec, voilà, le problème c'était à Bahreïn où il a malencontreusement été. Bah du coup, donc il n'a pas pu finir la course. Bah du coup, à cause de cela, il a Bah, gagné des points. un gros trou au niveau des points au classement pilote. Puis nous avons du coup en troisième position Olive du 68 qui fait il fait une Belle bonne performance, hein. Belle remontada. performance pour Olive, hein, qui Donc est. 24 points chez Alfa Romeo. Tout Et à fait, bien tout. sûr, notre pilote favori de cette saison. Ah, pas jeune. Puisque dans la première édition de ce championnat, il a été champion du monde avec une grosse avance. Et du Merci. coup, j'aimerais bien avoir son avis sur la course, surtout que nous l'avons juste à côté de nous, à l'antenne. Donc, quel était votre avis à vous, mon cher Lou, à Bah, mon cette avis, c'est que course? c'était bon pour moi une course assez tranquille pour moi parce que j'étais souvent dans un no man's land, comme on peut le dire. J'étais dans un no man's land sur certains points de la course. Mon départ, où j'ai dû revenir dans la partie suite à un petit problème technique, mais ça, on pouvait pas le prévoir. Mais sinon, en général, voilà, j'ai pu me batailler avec Olive. C'était bon, c'est un bon pilote, du coup j'ai assez galéré. Bon, malgré ses pneus, il a galéré avec ses pneus un peu détruits. En fin de Effectivement. course, il a également reçu une pénalité, donc j'ai pu monter sur lui. Pour Mats Hummels, c'est triste, hein, qu'il ait perdu la deuxième place à cause d'une as qui l'a bloqué dans les derniers tours. Mais voilà, sinon la course, bon, pour moi, est plutôt positive par rapport à la première. Mais après, franchement, très clairement, je pense pas que c'est la meilleure course de la saison. Et je pense que ça va être une des pires de la course, enfin une des pires courses en général pour le tout paddock. En cinquième position, nous avons du coup Jack qui fait une bonne course, qui est du coup Jack qui est qui est cinquième en championnat pilote. Je pense honnêtement qu'il aide à sa place, même des fois peut-être peut gratter, peut faire du 4-5, peut monter aux quatrième position, en cinquième position. Je pense qu'il est vraiment à sa place. Peut-être créer quelques surprises, Jack, parce que j'ai été moi-même surpris à Melbourne de de sa prestation. Donc je pense qu'il peut nous donner il peut nous donner des frissons, du fil à retordre, notre cher Jack. Puis nous avons du coup Sainz en sixième position, septième position du coup pour Dark Tug Life au classement pilote avec 10 points. C'est une très très bonne position pour Dark Tug Life et son écurie Renault. Puis on a Ben Mortel qui est à 10 points aussi avec sa monoplace McLaren qui est au coude à coude avec Dark Tug Life. Puis nous avons en dixième position, donc en neuvième position, Sergio Perez à 8 points, avec derrière en dixième position, Ipman, avec sa Ferrari qui est en sixième, qui a 6 points. Du coup, comment dire, c'est un début de saison compliqué pour Ipman, mais on verra bien au fur et à mesure du temps s'il arrive à performer grâce à sa Ferrari. Est-ce que ce serait pas bizarre du coup que Hipman soit aussi peu performant au vu des performances de notre cher, de son coéquipier J4 qui est lui-même dans la même monoplace que lui? Est-ce que c'est étrange? On n'en sait rien. Il faudra voir en fonction des GP s'il arrive à relever le niveau et à être entre guillemets
à la hauteur de ce que J4 Et de Ferrari, veut de hein, la lui. hauteur de Ferrari, de J4. Et aussi, c'est une Ferrari, c'est un rôle important, une monoplace très importante dans son championnat. Puis nous avons en 11e position Minato Martins, hein, du coup, avec 4 points, suivi de Gotan Vision. Et puis la suite, nous avons du coup, après Goten Vision, nous avons Nicolas Latifi, 14e position avec Russell, 15e position avec Xenox, 16e position avec Xintos, Stroll en 17e position, Vince du 68 qui du coup est en 18e position, en 19e, on a Vic à fond. De chez AlphaTauri, comme je l'ai dit avec du coup Ip Man, Vic à fond devra peut-être ouvrir un peu les yeux pour les prochains Grands Prix et entre guillemets être un peu à égal avec Minato. Mais bien sûr, ça prend son temps, c'est le début de saison, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Et puis du coup, en 20e position, nous avons Lewis Hamilton, très étonnant au vu de bien sûr, il a dû remplacer un pilote qui du coup malheureusement s'est blessé. Du coup, ne pourra plus conduire en monoplace malheureusement. Du coup, Lewis Hamilton revient dans son baquet d'origine, du coup, chez Mercedes. Tout à fait, tout à fait. La blessure inattendue de Mat Jamal qui s'est blessé lors de ce Grand Prix d'Abu Dhabi, lors d'un Effectivement. tour. Ça, c'est son épaule hein, qui a été touchée durant cette course. Hein. Son équipement n'était pas assez bien réglé, il me semble, c'est ce que j'ai pu entendre. Et ça, c'est à cause de ça qu'il a été blessé. Effectivement. Voilà. Oui, j'ai entendu aussi ce genre de rumeur effectivement Tout à dans le fait. paddock. Mais du coup, oui, effectivement, ce championnat, du coup, pour résumer, ce championnat, voilà, ça fait 2 courses seulement qu'on vient justement de le faire. Du coup, il y a 2 courses, 2 GP qui ont été faits. On a pas mal de surprises aussi, hein, surtout à Melbourne. Je retiendrai Melbourne surtout pour l'instant. Après, c'est que 2 Grands Prix, hein, mais Melbourne a été très impressionnant. J'ai été très étonné des résultats à Melbourne. Mais oui, on est qu'au 2e Grand Prix, donc ce n'est pas encore terminé. Il y a encore pas mal de courses devant eux. Donc j'espère que ce championnat va être tout aussi intéressant et que ça va et que les écarts se corsent, qu'on a des batailles internes. Ce qui est très important en F1, puisque Pour les championnats, s'il oui. y a quelqu'un qui est en avance de 50 points, eh bien ce n'est plus marrant. Tout à fait. Je peux le témoigner au vu de ma participation à la saison 1 et de mon collègue Lou qui est ici présent, qui a été largement dominant dans la saison 1. Et Tout à honnêtement, fait. ça peut en décourager quelques-uns, cette domination Ce début de saison est au niveau pas. au niveau des points. Le début de saison n'est Bah du pas coup, très impressionnant. effectivement, j'ai pas plus à rajouter sur ce Grand Prix. Un Grand Prix très étonnant. Hein. On verra au Grand Prix du coup de Chine vendredi prochain. Dans une semaine, tout à fait. Donc j'espère que vous avez hâte du coup de ce Grand Prix qui, je pense, sera très très intéressant au vu de ce que Lou nous a dit, nous a teasé. Tout à fait. Donc Tout à fait, tout à eh fait. bien, bonne soirée à vous Bah, bonne et soirée. Merci d'être venu, mon cher Gravity. Merci pour ces analyses d'exception hein, et de ce pronostic et de tous ces détails que vous problème. nous apportez. Et voilà, tout simplement, c'est cool. En espérant vous voir du coup pour le prochain Grand Prix en Chine et de débattre, enfin de nous en dire plus encore sur On le Grand verra Prix qui se profile. Hein. en fonction de mon emploi du temps. Vous savez, Tout à fait, oui, bah oui. je ne fais pas que des analyses pour la F1. J'ai quand même pas mal de, il y a pas mal de compétitions en cours. On a le MotoGP. On a bien sûr on a aussi bien sûr le Dakar aussi. Donc beaucoup de Tout à fait. compétitions qui m'intéressent beaucoup. Donc en fonction de mes disponibilités, je viendrai bien sûr jeter un coup d'œil dans ce championnat très intéressant qui s'annonce incroyable. Eh ben merci à vous, mon cher Gravity. Merci à vous de nous suivre pour cette saison 2 sur F1 2020. En espérant que ça vous plaît toujours autant. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne soirée tout simplement. Et on se retrouve pour la prochaine course en Chine, la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. C'était Ludox.